Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, je n'avais pas du tout prévu cette vidéo, il faut qu'on parle. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Français, française, francophone, il faut qu'on parle, là c'est waouh, la situation est grave, ça va pas du tout. J'aurais aimé vous dire pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense que tout le monde est au courant. Monsieur le président Emmanuel Macron a annoncé le pire, il a annoncé la fermeture de toutes les salles de sport en France. Cinq ans à faire des vidéos YouTube pour vous motiver à faire de la muscu. Et là, à cause d'un putain de virus et d'un claquement de doigts, tout ce travail foutu en l'air, putain. Ouais, ça fait chier, ouais. Oh putain, les salles de muscu sont fermées. C'est ouf hein, quand il a appris la nouvelle, je voulais pas y croire. Heureusement, j'ai senti le coup venir il y a 3 ans, et du coup j'ai fabriqué la mienne. Enfin, heureusement, personnellement, j'ai la chance d'avoir une salle de muscu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça fait chier. Après, je comprends complètement la décision du gouvernement et du président. S'il fallait fermer les salles de muscu pour éviter que le virus se propage et ainsi tue encore des nouvelles personnes, alors fermer les salles de sport était la bonne solution à prendre. Mais franchement, ça fait mal au cœur. J'ai vu l'annonce et franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur, en toute honnêteté. Jamais j'aurais cru voir dans ma vie une fois que les salles de muscu allaient réellement fermer. C'est ouf. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. J'ai pensé à plein de solutions pour vous aider, vous, membres de la Team Shape, à maintenir votre masse musculaire. Parce que si je dis pas de conneries, ils ont prévu de fermer les salles de muscu pendant au moins un mois. Un mois! Et pour en avoir fait l'expérience, quand je me suis pété le poignet en moto et que j'ai dû arrêter la muscu, j'ai ressenti personnellement une réduction du volume musculaire au bout de 3 semaines, 1 mois. En prenant en compte le fait que j'ai fait 0 muscu. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en 1 mois que vous allez complètement fondre physiquement. De plus, il existe plein de solutions pour maintenir sa masse musculaire à la maison. La première solution pour maintenir son physique, ça commence de une par l'alimentation. C'est pas parce que les salles de muscu sont fermées qu'il faut complètement se laisser aller et manger n'importe quoi. Après, je envie de dire manger n'importe quoi, mais bon, vu que tous les restaurants sont fermés, les McDo, les Quick, les KFC, il n'y a plus rien d'ouvert. Même les boîtes de nuit, les bars, il n'y a même plus moyen de se bourrer la gueule. Si vous arrivez à prendre des kilos pendant ce mois-ci, c'est que vous l'avez fait exprès. Non, plus sérieusement, pensez à bien manger. Avant que les salles de sport ferment, vous étiez sur un bon rythme, alors poursuivez-le. Flocons d'avoine, œufs, pain complet, pancake protéiné au petit déjeuner, petit shaker de whey, galette de riz, banane, pommes, ne vous refusez rien au goûter. Riz, dinde, poulet, pâte complète, quinoa. Continuez de bien manger à midi. Et bien sûr les légumes, oui, même si beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, allez-y, c'est à volonté. Donc mon premier conseil, c'est de continuer à bien vous alimenter. Le deuxième, c'est de rester actif. Ne restez pas sans rien faire pendant un mois. Footing, pompe, abdos, burpees. Il existe plein d'exercices à faire à la maison sans matériel. D'ailleurs pour ça, je vous en conjure et je vous oblige presque à vous abonner à ma chaîne secondaire Thibaut In Shape Entraînement. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je publie sur ma chaîne secondaire tous les jours des programmes d'entraînement et des routines d'entraînement gratuites à faire à la maison et sans matériel. Là, cette chaîne secondaire, elle n'a jamais été aussi utile. Tous les jours, je vous propose des programmes abdos pour perdre du gras, des entraînements pec pour prendre du volume, des exercices cardiovasculaires. Même pour les petites, j'ai fait plein de vidéos pour prendre du galbe des fessiers à la maison sans matériel. Sur cette chaîne et tous les jours, vous avez un entraînement différent qui va entre 5 minutes et 15 minutes. Et même si c'est différent de vos 1 heure de muscu que vous faisiez habituellement, au moins grâce à ces vidéos là vous allez rester motivé et actif. Comme ça, quand les salles de muscu réouvriront, vous aurez gardé votre motivation. Et je sais par-dessus tout que c'est pas un moment facile. Comme vous le savez, j'étais inscrit au marathon de Paris qui devait avoir lieu dans 2 semaines. Ça fait 6 mois la Team Shape, 6 mois que je cours 4 fois par semaine, que je me lève à 5h du mat et que j'ai que cet objectif en tête de finir le marathon de Paris. Et quand j'ai appris que le marathon de Paris était annulé, oh là là, j'étais au fond du seau. Pourtant, il a fallu se ressaisir puisque ce marathon, même s'il est annulé aujourd'hui, il va être reporté. Oui, car je l'espère, on va pas passer notre vie en quarantaine. Après, ça pourrait faire une super vidéo YouTube, hein. Une vie en quarantaine. Ouais, non, c'est de la merde. Non. Je veux sortir de chez moi. Tout ça pour dire que si vous aviez des objectifs physiques, ne les perdez pas de vue. Oui, avec le coronavirus, ils vont quand même être un petit peu chamboulés, mais gardez vos objectifs focus en tête. Et même si ça n'a rien à voir avec la muscu, j'aimerais avoir une pensée beaucoup pour tous les restaurateurs, tous ceux qui ont un restaurant, tous ceux qui ont un commerce et qui ont dû, fermer leurs portes. Gros, gros, gros
gros gros soutien à eux. Franchement, c'est pas facile ce qui se passe. Mais c'est dans ces moments-là qu'entre Français, il faut être solidaire et être là pour les autres. J'ai l'impression de faire un discours de campagne présidentielle. Votez Team Shape. Bah J'ai aussi d'autres solutions à vous proposer pour continuer à faire du sport. La solution est de commander mon pack de musculation à la maison. Vous n'êtes pas obligé de le commander, mais si vous le voulez, je vais vous mettre le lien dans la description. Dans ce pack de musculation à la maison, vous avez un tapis Team Shape. Vous l'avez soit en orange, soit en noir. Vous avez aussi des élastiques, car croyez-moi, un élastique, ça a l'air de rien, mais pourtant ça prend pas de place, et avec ça on peut faire plein d'exercices pour se muscler à la maison. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne secondaire avec l'élastique. Et dans ce pack, vous aurez aussi une corde à sauter Team Shape, aka votre meilleur ami pour faire du cardio et transpirer. Donc si vous voulez commander le pack sport à la maison, le lien est dans la description. Autre solution à vous proposer, c'est de commander mon e-book d'entraînement à la maison sans matériel. À l'intérieur, vous aurez plein d'exercices à faire à la maison. Pas besoin de salle de muscu. Alors oui, c'est payant, certes, mais pour ceux qui veulent la version gratuite, il y a plein de vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc, si vous voulez commander mon e-book d'entraînement muscu à la maison, qui est pour les débutants, les confirmés, le lien est aussi dans la description. Et je vais aussi vous proposer une autre solution gratuite. J'ai créé une chaîne sur Twitch qui s'appelle Thibaut in Shape Live. Donc, allez vous abonner tout de suite, je fais des lives presque tous les jours. Sur ma chaîne Thibaut in Shape Live, je vais vous proposer un maximum d'entraînements à faire à la maison sans matériel. Et on fera ces entraînements en direct, vous et moi. Vous imaginez si on est 6 millions à faire du sport ensemble? Ça serait magnifique. Donc, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne Twitch Thibaut in Shape Live. Je fais un live ce soir après que la vidéo soit sortie, alors abonnez-vous tout de suite. D'ailleurs, j'ai créé une sorte de petit studio, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, c'est ici que je vais filmer les lives sur Twitch. Bon, le décor est pas encore oufissime, mais c'est le début. Et j'aimerais rajouter un dernier mot. Déjà que les animaux de compagnie ne sont ni porteurs ni vecteurs du coronavirus. Donc, arrêtez d'abandonner vos animaux de compagnie à la SPA. S'il vous plaît. Soyons sérieux 2 minutes. Autre chose, prenez soin de vous. Je sais que c'est pas vraiment facile, mais c'est là où il faut se soutenir un maximum les uns les autres. Si on vous dit de rester chez vous pour des raisons de santé, alors restez chez vous. Wow. Putain, je viens d'allumer Twitter. Coronavirus, l'Italie enregistre 368 nouveaux décès en 24 heures. C'est monstrueux. Donc, s'il vous plaît, la Team Shape, restez chez vous. Comme tout le monde vous le rabâche, ça sert à rien de céder à la panique. Juste respectez les normes d'hygiène et restez chez vous. Je vous promets un maximum de vidéos YouTube pour vous aider à ce que le temps passe plus vite. Ainsi, la Team Shape, restez fort. Ne paniquez pas. Tout va bien se passer. C'est à nous, citoyens, de faire un maximum d'efforts pour que tout se passe bien et pour qu'on arrive à éradiquer cette putain de maladie. Maintenant, la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Il y aura beaucoup de vidéos dans les prochains jours. Et regardez une autre vidéo pour vous faire penser à autre chose en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bah